Sacrifier le rituel du marché du samedi matin. Peut-être que parmi vous, certains ont été étonnés, voire, selon des retours que nous avons eus, un peu choqués que le titre qui est donné à cet atelier, que vous voyez, « Les vieilles et les vieux font la loi », en fait, cet intitulé correspond exactement le slogan phare du CNAV, rien pour les vieux, sans les vieux. Je vais faire une brève introduction. Je ne me suis pas présenté, pardon. Je suis Pierre Lascoum, je suis un juriste et je travaille donc avec le CNAV. Voilà. Alors, comme vous le savez peut-être, nous sommes en pleine actualité parce que hier soir, après l'enthousiasme suscité par les propos de Michel Perrault et d'Annie Ernaux qui nous invitaient à avoir une retraite créative, vous n'avez peut-être pas passé la soirée à écouter les informations ou à regarder les réseaux sociaux. Et pourtant, vous auriez appris quelque chose, mais vous allez vous rattraper ce matin, c'est que pendant que nous étions réunis ici, la ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Aurore Berger, avait fait une grande réunion interministérielle où elle annonçait, on peut dire enfin, la mise en chantier d'une loi sur le grand âge. Je ne peux pas m'empêcher de vous livrer cette citation que je trouve historique. Elle dit « J'ai entendu le Parlement et les professionnels. Je m'engage à ce que la loi grand âge simplifie la vie des aînés. » Martine Bruyère nous donnera quelques informations complémentaires. Mais on peut dire qu'à part deux associations, la ministre n'a écouté que les professionnels et les politiques. Et que la consultation des tiers, des innocents, c'est-à-dire nous et les personnes les plus directement concernées, n'a pas encore eu lieu. Mais c'est l'occasion de le faire. Alors on pourrait discuter parce que est-ce que c'est une conjonction miraculeuse? Pourquoi pas? Nous sommes très près d'une célèbre église à Paris, là on la voit d'ici, qui fait que c'est le jour où le CNAV organise son contre-salon que la ministre a l'idée d'organiser cette grande réunion. Bien, si on veut employer un terme technique, un peu pédant, on peut dire qu'il s'agit typiquement d'un effet performatif, c'est-à-dire que le contre-salon est préparé et annoncé depuis à peu près le printemps dernier, et que donc un effet performatif, c'est une action qui en déclenche d'autres, souvent inattendues, et on peut considérer que les déclarations de la ministre ou du gouvernement ne sont pas indifférentes au fait que le CNAV se soit constitué et monté ces journées. Pour finir, ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante, c'est que le CNAV, dès son origine,
avait comme objectif principal, revendication principale, de demander la participation des seniors aux différentes mesures qui les concernent et les concerneront. Alors aujourd'hui, on peut dire la situation semble bouger, puisque d'abord, avant les déclarations de la ministre, le député qui nous fait plaisir d'être là, donc Jérôme Guedj, a déposé un projet de loi en avril 2023. Il est question que lundi prochain soit discuté à l'Assemblée un projet extrêmement ambitieux qui s'appelle « Bien vieillir ». Bon, sorti d'où, fait par qui, comment, on ne sait pas. Et il y a bien évidemment donc le projet de la ministre. Donc je dis ça en plaisantant, mais en même temps, c'est pour nous l'occasion d'agir. À partir du moment où les autorités politiques ont commencé à se mettre en mouvement, c'est à nous de, on peut dire, monter dans le train et de mettre en avant les points, les revendications principales qui nous sembleraient devoir figurer dans un projet ou une proposition de loi. Et dans ce sens, le CNAV se veut à la fois un aiguillon et aussi une force de proposition. Je finis là-dessus. Ça fait à peu près au moins un an depuis la première réunion qui avait eu lieu à la cartoucherie que nous avons réfléchi, entre autres choses, sur les questions juridiques, c'est-à-dire sur des points qui nous semblent manquer et qui devraient absolument figurer dans un texte de loi pour répondre aux besoins des seniors. Parce que jusqu'à présent, je ne vous apprends rien, les seniors sont beaucoup plus objets de droit que sujets de droit. Et on décide à leur place, à notre place. Qu'il s'agisse de leur information, du respect de leur volonté, tout cela est facilement réduit ou écrasé par des raisons économiques, mais aussi par des raisons, on peut dire, professionnelles, essentiellement la médicalisation, puisque l'essentiel des problèmes, disons, du vieillissement et du grand âge sont toujours, ou le plus souvent, traités à travers une approche médicale. Et en plus, les questions de grande dépendance passent toujours en priorité. C'est certainement une des raisons qui peut expliquer pourquoi cette loi grand âge a pris tellement de retard, en raison, on peut dire, des coûts, je ne sais pas jusqu'à quel point ils avaient été fixés, mais des coûts qui étaient anticipés. Donc, nous avons réuni un ensemble de propositions susceptibles d'être incluses dans une loi ou une proposition de loi, mais pour compléter cela, nous avons donc fait appel à trois experts, trois spécialistes, trois personnes qui, par leur parcours professionnel, connaissent très bien ce domaine-là et leur point de vue, mais aussi le vôtre, que vous aurez les points que vous aurez l'occasion de soulever dans la deuxième partie de la réunion, nous aideront à compléter et à mettre au point ce projet. Voilà. Merci Pierre. Alors voilà, je vais faire beaucoup, beaucoup plus court que Pierre, et juste pour dire que l'intérêt aussi de la présence de Pierre, c'est qu'il est à l'origine de la loi des droits des malades, voilà, et que de fait, dans le monde de la santé, ça a été quand même quelque chose d'essentiel, beaucoup plus d'ailleurs que les étiquettes juridiques. Donc moi je suis Eric Favreau, je fais partie de la bande des quatre qui est un peu à l'origine de tout ça, et je vais juste me contenter de vous présenter le magnifique trio qui est à ma gauche évidemment, Georges Porge-Lonvin, qui est avocate, ancienne ministre d'Outre-mer, etc., et qui est aujourd'hui députée, voilà, et qui aujourd'hui travaille auprès de la défenseure des droits, et en particulier s'occupe un peu de tout ce qui est de discrimination. Jérôme Guedj, voilà, toujours député, voilà, et c'est un des rares hommes politiques à s'intéresser aux vieux, quoi, et aux vieilles, hein, il n'y en a pas beaucoup, et bon, et être
presque compétent sur ce domaine, voilà, hein, presque compétent. Mais voilà, en tout cas très très offensif. Et puis à ses côtés, Martine Gruer, qui préside aujourd'hui l'association Hold Up, qui est quand même une que tout le monde connaît aussi, qui est quand même une magnifique association qui a vraiment voilà fait les premiers pas. Au début, elle était voilà dans sa carrière professionnelle psychologue, voilà, et depuis quelques années, voilà, elle occupe cette fonction compliquée mais très courageuse. Et puis là, hier, donc, elle était avec la ministre, qui était quand même pas le rendez-vous le plus drôle de sa journée, surtout qu'en même temps, il y avait une assemblée générale de hold-up. D'abord, à vous, Georges Poche-Langevin, votre analyse de cette situation. Bon, je vous laisse évidemment parler, mais bon, cette loi sur les vieux, sur le bien vieillir, on a presque envie d'en rire, quoi. Tant ça devient un gag. Oui, c'est vrai que nous attendons depuis quelques années que cette loi arrive. Et j'ai noté dans ce qu'a dit Pierre Lascoum qu'elle va être mise en chantier. Donc c'est assez inquiétant parce que entre le moment où on commence et le moment où la loi est votée, il s'écoule encore pas mal de temps et ça ne nous rassure pas beaucoup. Donc moi je m'appelle Georges Poche-Langevin, je suis donc adjointe à la Défenseure des droits. Vous savez que le Défenseur des droits est une structure qui a été créée depuis 2011, qui est une autorité administrative indépendante, et que toute personne peut saisir pour faire respecter ses droits, soit face à l'administration, soit quand il y a des questions de discrimination, ou encore quand c'est un enfant qui estime que ses droits ne sont pas respectés. On peut aussi être saisi par un lanceur d'alerte, si cette personne, à la suite de l'alerte qu'elle a lancée, se trouve mise en difficulté, souvent dans son entreprise, parce que ça dérange. Vous savez, donc aujourd'hui, nous avons à peu près, on traite à peu près 120 000 réclamations par an, principalement d'ailleurs pour des difficultés avec les services publics. Donc là, nous avons eu l'occasion de travailler sur ce qui concerne les personnes âgées sous deux aspects. On a fait une brochure qui concerne les personnes âgées chez elles, voir les difficultés auxquelles elles se heurtaient et les discriminations qu'elles rencontraient. Et on a fait aussi une brochure sur les EHPAD et on avait fait ça avant le fameux livre Les Fossoyeurs qui évidemment apportait un regard très cru sur ce qui se passe dans ce genre de structure. Alors sur les personnes âgées à domicile, ce que nous avons fait ressortir beaucoup, ce sont les difficultés avec les démarches administratives. Maintenant, il y a dématérialisation de beaucoup de démarches. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes âgées n'arrivent plus à venir à bout de ces démarches, se sentent très isolées. Et là, nous souhaitons qu'on essaye à chaque fois, à côté de ce qui doit être fait en numérique, qu'on puisse aussi permettre qu'il y ait un guichet, un humain, quoi, à qui on puisse s'adresser. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez passer la journée à faire des tas de démarches sans jamais rencontrer quelqu'un, sans jamais parler à quelqu'un. Et c'est vraiment une société qui nous semble une société qui est insupportable et qui n'est pas une société justement qui correspond à ce que nous attendrions d'avoir dans nos relations avec les autres. S'agissant alors évidemment, pour les personnes en situation de handicap, et quand on est âgé, parfois on est un petit peu handicapé, on a moins de facilité à se déplacer, ou eh bien tout ça, quand on doit se débrouiller avec du numérique, c'est encore plus difficile. S'agissant des EHPAD, ce sur quoi nous avons mis l'accent surtout, et après notamment la période Covid, c'est que quand on est en EHPAD, on n'est pas en prison. On est chez soi, on est à son domicile. Et par conséquent, il n'est pas normal que, même pour de bonnes raisons, le responsable d'EHPAD ne vous autorise pas à sortir, ne vous autorise pas à avoir des visites, alors qu'à son domicile, on a absolument le droit d'avoir des visites, notamment de sa famille. Vous avez, au moment du Covid, des gens qui n'ont pas pu voir leur famille et qui sont morts tout seuls. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a déposé un rapport là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'encontre des droits fondamentaux des gens qui choisissent ou qui sont amenés à vivre en EHPAD. Par conséquent, nous, ce que nous avons, sur quoi nous avons insisté, c'est qu'il est absolument indispensable que dans un EHPAD, on respecte les droits fondamentaux des personnes âgées. Et que par conséquent,
il y ait un respect de la vie quotidienne. Par exemple, on vous fait manger à 11h parce que c'est facile pour l'organisation de l'EHPAD, alors que vous, vous n'avez pas envie de manger à 11h. Il y a des gens qui, on a mis des couches alors qu'ils ne sont pas incontinents, et ainsi de suite. Par conséquent, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est impératif de respecter donc, la liberté d'aller et de venir des EHPAD, qu'il y ait un ratio minimal d'encadrement. Parce que pourquoi on fait ce genre de maltraitance contre le gré au fond des personnels? C'est qu'il n'y a pas assez de gens. Et par conséquent, pour faciliter les choses, on rationalise. Et c'est comme ça qu'on vous fait dîner à 5 heures, alors qu'à votre âge, vous n'avez jamais fait ça. Nous demandons aussi qu'il y ait un renforcement d'un dispositif de vigilance médico-sociale. Et ça, dans une des PPL qu'on nous a soumises, on voit qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place de manière à pouvoir mieux contrôler et mieux signaler les situations de maltraitance. Donc, cette reconnaissance du droit de visite des proches nous semble aussi très, très important. Donc, là-dessus, sur ce qui concerne dispositifs d'information, nous assistons aussi sur ce qu'on appelle les CVS dans les EHPAD. Parce que dans les CVS, il faut que la famille ou les associations qui défendent les individus puissent être présents et avoir plus de poids. Et enfin, obligation de recueillir et d'inscrire les coordonnées de la personne de confiance de manière à ce qu'on puisse être mieux sensibilisé au rôle des proches. Évidemment, nous regrettons que cette loi grand âge ne vienne pas, mais dans cette loi, ce que nous aurions aimé aussi voir mis, c'est une amélioration des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Parce que, bien évidemment, les EHPAD, ce n'est pas la joie, mais à domicile, l'isolement des personnes âgées est aussi quelque chose qui est dramatique. Et par conséquent, il faut qu'il y ait davantage de personnel disponible dans les services d'accompagnement à domicile et les services de soins infirmiers à domicile. Et là-dessus, nous avons fait aussi une étude, d'ailleurs, qui n'a pas eu beaucoup d'écho, c'est pas étonnant, sur les personnes qui font les soins à domicile. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui, elles-mêmes, sont assez discriminées, parce que ce sont en général des femmes qui sont pauvres et des femmes qui sont très souvent étrangères. Par conséquent, aujourd'hui, pour s'occuper de nos personnes âgées, eh bien, on a très souvent des gens qui, elles-mêmes, sont en grande difficulté et qui sont elles-mêmes discriminées. Donc je crois que le rôle et la place qu'on donne aux personnes qui s'occupent de nos aînés, ou de nos vieux, puisque c'est, ici on peut dire vieux, eh bien c'est très important, parce que ça signifie que c'est la place que nous accordons aux personnes âgées dans notre société, si nous respectons et si nous traitons bien les gens qui s'en occupent. Enfin, je dois dire que depuis que nous avons fait ce travail, on a vérifié un petit peu où on en est 18 mois après. Et 18 mois après, je dois dire que la situation ne s'est pas énormément améliorée. Et par conséquent, on doit être très vigilant à ce qui concerne, au fond, cette manière que nous avons de prendre en considération nos personnes âgées, parce que le fait de ne pas s'en occuper, eh bien, ça facilite la maltraitance. Et la maltraitance, tout le monde trouve que c'est très mal, mais il faut prendre des mesures de prévention pour ne pas qu'il y ait maltraitance de nos aînés. Voilà. Merci infiniment. Je ne veux pas être négatif, mais je retiens que plus on en parle, moins le dossier avance. Il y a quelque chose de paradoxal. Jérôme, à toi, j'aimerais bien que tu nous répondes sur le fait, mais pourquoi les politiques adorent prévoir une loi sur le bien vieillir, le vieillir, etc. Et pourquoi ils adorent ne pas le faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est... Voilà. Et question subsidiaire. Est-ce qu'une loi peut servir à quelque chose sur leur situation et surtout sur cette question qui, pour nous, est centrale, c'est prendre au sérieux la parole des vieux, qu'elle soit simplement légitime. Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment pour cette invitation. Je me sens, je ne sais pas pourquoi, spontanément mieux ici ce matin que je ne l'étais hier matin, puisqu'on était au même endroit à la présentation de la stratégie dont je dirai un mot. La question que pose Eric, c'est la question centrale. On a un problème dans ce pays. On a un problème gigantesque. C'est que tout gouvernement confondu depuis des années,
il y a un décalage gigantesque entre les intentions. Oui, oui, il faut s'occuper de, alors je le dis tout de suite, nos aînés, j'ai horreur de ce « nous », voilà. La faiblesse des réponses qui sont apportées. Et la question, c'est pourquoi ce décalage? Il y a évidemment la conscience du fait que la révolution de la longévité, ce phénomène positif, fantastique, lié à l'allongement de l'espérance de vie, je parle trop fort, ah pardon, parce que c'est mon habitude de parler sans micro. Voilà. Non, mais alors, bien. Mais je vais tempérer. J'avais peur que vous n'entendiez pas avec le brouhaha. Voilà. Je disais donc la révolution de la longévité, c'est une des merveilleuses nouvelles du XXe siècle. Voilà. Mais c'est une nouvelle liée au progrès de la médecine, liée à la maturité de notre système de sécurité sociale, de notre système de protection sociale. Donc c'est une fantastique nouvelle dont on arrive à faire un sujet d'inquiétude et anxiogène. Et cette formidable nouvelle, elle est aussi avec des retentissements sur l'ensemble de l'organisation de la société. C'est pour ça que moi je dis avec d'autres que, c'est un terme un peu techno, mais vous allez comprendre pourquoi on l'utilise, la transition démographique est aussi importante que les deux autres grandes révolutions qui affectent l'humanité. La transition écologique, évidemment, dont on parle beaucoup parce que est en jeu la survie même de l'humanité. Est-ce qu'on continue à flinguer la planète et donc à menacer notre propre survie? Et puis l'autre grande transition qui est intervenue mais qui n'est pas arrêtée, qui est la transition numérique, c'est-à-dire le fait que de plus en plus des machines, hier des robots, mais demain des intelligences artificielles, sont susceptibles de remplacer l'intervention humaine. Ces deux transitions, on peut dire d'une certaine manière qu'elles sont en haut de la pile de l'agenda politique. Mais la troisième, qui est tout aussi prévisible, tout aussi impactante, la transition démographique, la révolution de la longévité, eh ben, on regarde systématiquement ailleurs. Et c'est ça qui est fascinant, c'est le pourquoi on regarde ailleurs, alors que, encore une fois, je le dis, elle est anthropologiquement bouleversante. Moi, je cite toujours une des dernières conférences au Collège de France de Claude Lévi-Strauss, qui disait « L'allongement de l'espérance de vie est un phénomène anthropologique aussi important que la sédentarisation de nos ancêtres au néolithique, c'est-à-dire le moment où nos ancêtres ont arrêté d'être des cueilleurs et des chasseurs et sont devenus des cultivateurs et des éleveurs et que est née d'une certaine manière la civilisation, les villes, l'échange, les monnaies, etc. » Donc quand on a quand même une des figures de l'anthropologie qui nous dit « Regardez ce phénomène, il va avoir un impact parce que quatre générations vont cohabiter » parce que le temps de vie en dehors du travail, qui était la matrice structurante de la vie en société, va devenir sinon aussi important, mais à 65 ans, aujourd'hui, on a une espérance de vie de 22, 23, 24 ans, et donc ce temps-là, même plus, ce temps-là ne peut plus être pensé comme un temps ni d'inutilité sociale, ni d'implication dans la société, et de fait, elles sont présentes, les implications de ceux qui, après le temps de travail, moi je prends toujours cette image, si les retraités faisaient grève aujourd'hui, le pays s'arrêterait. C'est peut-être d'ailleurs une idée d'action. Voilà. C'est-à-dire, le jour où les retraités font grève, vous connaissez ce qui se passe. La moitié des petits-enfants sont gardés par les retraités. Donc, les parents n'ont plus la possibilité de s'occuper pour la moitié des enfants. La moitié des associations de ce pays, qui sont si précieuses au fonctionnement sportif, des solidarités, etc., c'est des retraités. Les conseils municipaux dans les villes et les villages, c'est pour la moitié aussi des retraités. Donc si les retraités font grève, voilà, le pays s'arrête. Et c'est là qu'on se rendra compte qu'il y a non seulement une utilité, mais un caractère absolument indispensable. Donc ça, c'est le premier point qui est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui n'est pas lié au travail? Après, il y a le deuxième temps, parce que il y a plusieurs formes d'avancer en âge. Il y a celle de ces retraités actifs qui veulent participer, qui veulent que leur voix soit entendue. Après, il y a évidemment, c'est la physiologie, l'âge des fragilités. Et ça pose la question de savoir justement comment la société dans son ensemble s'adapte à ces fragilités. C'est-à-dire, que ce soit physiquement, le petit pépin de santé, on traîne un peu la patte, des premières petites difficultés psychique, etc. Mais est-ce que c'est une fatalité et on doit la cacher, la taire, ou est-ce que la société doit tenir compte de ses fragilités? Je prends un exemple pour vous compreniez mon propos qui est peut-être un peu théorique, mais il y a une contradiction. Dans l'espace public urbain, depuis des années, on a retiré les bancs publics.
Parce que c'était une grille de lecture qui était ben, les bancs publics, soit il y a des SDF qui squattent, soit il y a des jeunes qui mettent de la musique, soit c'est un problème, etc. Bon. Et donc, en faisant ça, on a inadapté la société au vieillissement. Parce qu'en retirant les bancs de l'espace public, on a envoyé un message subliminal, mais tonitruant, pour les personnes fragiles, qui est de dire, ben, ne sortez pas de chez vous. Puisque si vous sortez de chez vous, vous n'aurez pas, tous les 200 mètres ou 300 mètres, un endroit où vous pouvez tranquillement vous poser. Et donc, ce problème d'inadaptation, c'est-à-dire d'invisibilisation de la question du vieillissement, je prends l'exemple de l'espace public, mais on peut le voir sur plein d'autres sujets, ça c'est la deuxième alerte. Et puis la troisième, c'est évidemment, et c'est elle qui explique, c'est pour ça que j'ai fait ce long détour, pourquoi le sujet est mis sous le tapis. C'est parce qu'il y a aussi évidemment, au bout du bout, mais pas pour tout le monde, l'âge de la, enfin, les possibilités de la perte d'autonomie et de la dépendance. Cette vieillesse qui effraie, qui fait peur, parce que c'est elle qui nécessite le plus de mobilisation immédiate de la société, des familles comme aidants et des services publics ou des acteurs privés pour, c'est les EHPAD, les services à domicile et tout ce qui s'ensuit. Et le problème qu'on a, c'est que l'arbre de la dépendance cache la forêt du vieillissement, c'est-à-dire rend impossible de regarder ce phénomène-là dans sa globalité. Et comme la question de la dépendance, qui a toujours été la porte d'entrée des débats sur le grand âge et sur le vieillissement, est une question qui, au bout du bout, est assez simple techniquement, mais qui se règle uniquement par le nerf de la guerre, qui est une question financière. Et donc la raison principale pour laquelle on a procrastiné tous les gouvernements, Sarkozy avait promis la réforme dépendance, Hollande avait promis la réforme dépendance, donc il en a fait un petit bout, mais il est resté un peu au milieu du guet, et Emmanuel Macron, évidemment, qui lui n'avait rien promis dans sa campagne présidentielle, mais en 2018 a dit oui, on va faire une loi grand âge, elle aura lieu fin 2019, et puis depuis, elle a été sans cesse repoussée. Et la raison première, et vraiment pardon d'avoir été long, c'est là, on a un choix de partage des richesses dans le pays sur la question strictement de la dépendance, mais pour lequel il faut de l'argent, on ne va pas se mentir. C'est un nouveau risque de sécurité sociale. On est un pays qui a construit sa sécurité sociale en couvrant les risques. Il est identifié depuis des années, mais simplement, là, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu coitus interruptus. On dit... Bon, pardon de l'avoir faite, mais bon, c'est l'image qui m'est venue à ce moment-là, c'est-à-dire on chauffe tout le monde sur le sujet en disant, oui, il faut couvrir par la sécurité sociale ce risque, et on a raison de le dire, parce que dans notre pays, quand il y a un risque, le risque maladie, le risque vieillesse, c'est la sécu qui l'a couvert, on dit, il faut le faire, mais on ne donne pas les moyens derrière, et c'est tout simplement des moyens, ben, quel prélèvement obligatoire on met en place pour le faire. Mais ça, je vais presque dire, c'est presque secondaire par rapport au cœur du sujet, parce que comme on n'arrive pas à traiter celui-là, donc on ne traite pas tous ceux que j'ai mentionnés auparavant. La place des personnes âgées, la parole des personnes âgées dans la société, leur utilité, leur rapport, les enjeux de transmission, les enjeux de partage. On n'aborde pas la question des fragilités et donc de l'adaptation de la société au vieillissement, en termes d'habitat, en termes de mobilité. Vous voyez autant de sujets qui ne sont pas en termes de représentation des personnes âgées dans l'espace public ou à la télévision, par exemple. Moi, j'avais travaillé il y a quelques années, le CSA, qui maintenant est l'ARCOM, c'est assez parlant, avait fait une étude sur la représentation des personnes âgées dans les journaux de 20 heures. Donc ils avaient regardé pendant des heures et des heures la représentation des personnes âgées. Ben, les personnes âgées, qui représentaient à l'époque 19% de la population, représentaient 6% des reportages diffusés dans un journal de 20 heures. Que ce soit dans les faits divers, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le sport, il y avait, or, les personnes âgées, elles sont concernées par la politique, la culture, le sport, les faits divers, etc. Et que paradoxalement, ce qui allait plutôt couvrir l'actualité, c'est quand il y a un retraité a pris l'autoroute en sens inverse, donc il faut poser le débat de savoir est-ce qu'il faut retirer le permis de conduire aux personnes passées 80 ans. Voilà, donc c'est toujours l'approche anxiogène. Donc, vous voyez, alors on va me dire, oui, mais ça c'est un peu secondaire. Non, non. Dans une société républicaine attachée à l'égalité, les questions de représentation ont aussi leur image. Regardez, quand on a voulu faire avancer sur le débat de l'égalité femmes-hommes, on s'est posé la question de la représentation des femmes dans les médias, dans le discours politique, etc. Même chose quand on a voulu promouvoir les enjeux de lutte contre les discriminations et de diversité, on s'est posé la question de... Voilà, bon. Voilà le cœur du problème, invisibilisation. Et là, je termine avec ce que je trouve moi formidable dans la démarche que vous avez engagée. J'ai été moi au lancement du CNAV à la cartoucherie l'année dernière. Parce que ce qui explique pour partie que le sujet n'est pas pris à cette mesure et que uniquement ceux qui s'expriment sur le sujet sont
ceux qui sont concernés par la dernière étape. J'aime pas ce terme dernière étape parce qu'encore une fois, la dépendance ne concerne pas tout le monde. C'est que 20% des plus de 80 ans qui seront concernés par la dépendance. On sera tous concernés par les fragilités, mais tout le monde ne sera pas concerné par la dépendance. Mais ceux qui, comme c'est l'enjeu financier majeur, que là, il y a des acteurs, et c'est vrai que ce qui frappe depuis des années, ça avait commencé au moment de la canicule de 2003, ceux qui parlent sur le sujet, ben, la nature ayant horreur du vide, c'est soit les professionnels du secteur, les directeurs d'établissements, etc., qui disent, bah oui, ça ne va pas, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de choses, mais les personnes âgées, elles-mêmes, ne parlent pas. C'est pour ça que je trouvais que la démarche pour mettre les pieds dans le plat, moi, ce qui me frappe, c'est pourquoi il n'y a pas ce rapport. La politique, c'est que du rapport de force. Voilà. Pourquoi le sujet n'est pas en haut de la pile ? C'est parce qu'il n'y a pas de lobby vieux dans le pays. Mais quand je dis qu'il faut un lobby vieux, ce n'est pas un lobby de vieux. Parce que le vieillissement a cette particularité, c'est que c'est une situation universelle. Je peux dire que moi, Jérôme Guedj, à 51 ans, je suis un vieux. Parce que je suis un vieux en devenir. Et que le combat que je fais avec vous ici, à l'Assemblée, ou hier dans mon département, c'est tout simplement pour préparer, non pas les réponses à une catégorie de la population, c'est tout simplement par le fait que nous allons tous être concernés. Le problème, c'est que on a, ça c'est un peu vrai, un déni de son propre vieillissement. Le vieux, c'est toujours l'autre. Qu'on ne se projette pas dans cette situation. Alors, et c'est là que le politique devrait avoir cette responsabilité, qui est de dire, nous devons aider à ce que le débat ait lieu pour que chacun prenne conscience que de toute façon, on va tous être vieux. Et que donc, ce qu'on décide aujourd'hui, d'abord, c'est pour l'urgence des situations du moment, mais c'est aussi pour préparer tout simplement la vie douce à laquelle on aspire tous quand on y sera confronté, et pas uniquement dans une approche compassionnelle où les jeunes s'occupent des vieux. Non, les jeunes s'occupent d'eux-mêmes quand ils préparent un vieillissement harmonieux dans la société. Et c'est pour ça que ce que j'avais entendu, moi, d'Ariane Mnouchkine au lancement, c'est un problème politique et social. Elle disait, je me rappelle, cette phrase m'avait marqué, nous sommes la génération qui a changé le regard de la société sur la jeunesse, alors que le politique n'en prenait pas la mesure, voilà, regardait la jeunesse avec des œillères et dans le rétroviseur. Et elle disait, nous allons devoir être manifestement la génération, pour les mêmes raisons, qui va changer le regard de la société sur la vieillesse. Mais ça ne doit pas être qu'une affaire de... Voilà, c'est pour ça que moi je suis heureux d'être là, pas uniquement comme politique, je serais venu quel qu'était mon statut, parce que ce qui fait doit créer le rapport de force à l'endroit, encore une fois, de politique qui proscratine, et j'ai préféré vous dire tout ce que je vous ai dit là, plutôt que vous expliquer la lamentation qu'est la mienne à la lecture de la stratégie qui a été présentée hier, qui se résume en un mot, de la com, et pas encore des choses à la hauteur de l'enjeu. Ça a été rappelé, moi j'ai essayé d'alimenter le débat en écrivant la loi grand âge, que j'aimerais voir mise dans le débat public, mais pas pour faire une loi, juste pour que ça irrigue l'ensemble des secteurs de la société, de la même manière qu'aujourd'hui on trouve naturel que quand on parle transition écologique, tout le monde se sente concerné. Aujourd'hui, quand on parle vieillissement, pour l'instant, tout le monde ne se sent pas concerné. Il y a les vieux eux-mêmes, il y a les aidants, et les autres, ils disent, il y a même un petit discours assez détestable qui consiste à dire, oui, mais on en a trop fait pour les vieux. C'est un discours agiste dans la société. Il s'était d'ailleurs, rappelez-vous, un peu exprimé au moment du confinement, où certains disaient, mais pourquoi on confine l'ensemble de la société pour des vieux qui, de toute façon, doivent mourir dans les 3 mois et dans les 6 mois. Bon, heureusement, le débat, il n'a pas trop pris dans la société, mais on sent quand même cette petite musique, y compris dans le débat financier, de dire, mais est-ce qu'on dégage des moyens pour cette génération de privilégiés, de baby-boomers qui a profité des 30 glorieuses, etc., etc., etc. C'est détestable comme discours, parce qu'on a l'impression que les gens sont segmentés dans leur génération. Aujourd'hui, les vieux, ils sont dans le transgénérationnel, ils ont des enfants et des petits-enfants, et donc ils sont aussi préoccupés par la situation de ceux-ci. Donc, il faut faire la révolution des vieux. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. Martine Gruyère, ça tombe bien, puisque donc, si on croit notre ami Jérôme, donc il n'y a pas de loi parce qu'il n'y a pas de lobby des vieux. Or, Hold Up, dont vous êtes la présidente, c'était aussi un peu ça, la raison d'être. Expliquez-nous un petit peu, voilà, l'histoire d'Hold Up, et puis de même. Vous étiez donc hier au ministère et écoutez la ministre. Voilà, tout ça fait quoi, hein? Tout ça fait écho quand même directement à ce que nous a dit Jérôme, à savoir, alors, les choses ne bougent pas. Bonjour, Martine Gruyère.
Juste, je ne suis pas présidente de Hold Up. Bon, malheureusement, avant-hier, hier, nous avions un colloque à Hold Up, Vivre à tout âge, et le président de Hold Up, qui a beaucoup porté ce colloque, a eu l'avant-veille un infarctus. Voilà, c'est vous dire aussi que, alors à Hold Up, on est tous des vieux. Ça fait partie de ce qui nous identifie. On a été, donc en gros, si on prend l'histoire de Hold Up, un certain nombre d'entre nous, on a été d'abord, peut-être un peu, oui, militants à l'école des parents et des éducateurs. Nous, en tant que parents, on a à dire sur l'éducation de nos enfants, pas seulement les professionnels. Il y a eu ensuite, à partir de l'école des parents, l'école des grands-parents européens qui a été créée, parce qu'à l'époque, ça continue encore, mais je crois beaucoup moins, ça a bien évolué. Les grands-parents en particulier, quand les petits-enfants étaient en difficulté, ont commencé par ignorer qu'il y ait des grands-parents, parce que si les parents étaient des parents nocifs, c'est que les grands-parents étaient des grands-parents nocifs. Je caricature à peine, mais c'était ça. On en était témoin, on l'entendait à l'école des parents, et donc Marie-Françoise Fuchs, qui est là, a créé l'école des grands-parents européens. Et puis on vieillit tous, et il y a cette phase assez euphorique qu'on entend, qui sont pas pour tous, hein. Les nouveaux retraités, les seniors, on est encore en forme, on peut faire et penser à autre chose qu'au travail et à la vie, mais il y a après cette... puis on est grands-parents, enfin, il y a toute une phase qui se remplit un peu d'elle-même, pour beaucoup, pas tout le monde, et après, il y a une sorte de creux aussi, qui est, bon, on a, la famille, on n'est plus tellement ni intéressant ni intéressé pour la famille, et pourtant, on existe et pourtant, on est capable et on souhaite contribuer à la société. Alors, le premier slogan de Hold Up, donc Hold Up a été créé il y a 15 ans, c'est donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie. Alors, après, on a ajouté aussi et du bonheur, pourquoi pas. Mais c'est vraiment ça, donner du sens et de l'utilité à l'allongement de la vie pour nous qui sommes vieux, mais pas si vieux que ça, est capable encore d'être très impliqué, très intéressé, très concerné par la société en entier et aussi par nous, nos âges, et par le fait qu'on existe tellement peu et qu'on n'est pas pris du tout, mais même perçu comme ce que nous sommes. En gros, il y a un décalage entre ce que vous avez dit, hein, l'image qu'on a de nous, et puis ce que nous sommes et ce que nous pouvons apporter à la société. Voilà. Donc ça, c'est Hold Up. Bah alors, lobby ou pas lobby? Est-ce qu'il faut un lobby? Alors, lobby, c'est... Donc, on était là le jour de naissance du CNAV, et on partage complètement. C'est venu ensemble avec Véronique. Rien pour nous sans nous. C'est évidemment que c'est complètement fondamental. Et que le fond pour nous, la revendication dont nous sommes porteurs, c'est effectivement qu'à tout niveau de ce qui nous concerne, nous y soyons. Nous y soyons. Et que ce soit aussi bien... Le micro, bien... Aussi bien en tant qu'individu, quand même, on sait bien que dans les EHPAD, on est souvent... Pardon. D'accord. Dans les EHPAD, souvent, en tant qu'individu, enfin, moi, je peux vous donner des exemples, on peut tous en avoir, on n'est souvent pas entendu. Parce qu'on sait pour nous, parce qu'on n'a pas le temps, parce que quelles que soient les raisons. Mais on n'est aussi pas entendu dans tout ce qui est collectif. Donc, il s'avère... Alors, c'est là... J'ai participé au Conseil national de la Refondation. J'ai été copilote de cette initiative pour ce qui concernait les liens sociaux et la citoyenneté. Donc j'ai travaillé et ça m'a beaucoup intéressée parce que les questions que posaient... Bien près du micro, excusez-moi. Bien collé. Ah, pardon. Les questions qu'évoquait Mme Paul Angevin, quand j'ai été écouter les Français, ce qui est très frappant, c'était quelques-uns, c'était des volontaires, des vieux, ils sont tellement preneurs, tellement intelligemment preneurs et ayant envie de partager. Et tous les thèmes qui ont été cités, c'était les premiers thèmes qui nous étaient donnés. Ce problème de l'informatique, des gens qui ne sont pas du tout équipés. Une dame dans la Marne, elle n'a pas d'ordinateur. Même le téléphone où il faut dire tapez tant, elle n'y arrivait pas. Et elle disait, moi j'ai besoin, ce que vous dites, hein, de présence humaine, j'ai besoin d'interlocuteurs.
Et tout ce qui a été dit, vraiment, c'est ce qu'on a entendu, nous, ce qu'on a essayé de dire, alors moi, en tant que hold-up, et puis chacun comme on pouvait, de ces évolutions nécessaires. On était 6 concernés. Oui. Excusez-moi, j'insiste un petit peu. Alors, est-ce qu'il, vu l'expérience que vous avez à hold-up, voilà, est-ce qu'il faut passer à quelque chose de plus fort, un lobby ou pas? Parce que, bon... Et question subsidiaire, est-ce que de votre point de vue, est-ce qu'une loi peut changer quelque chose? Vous voyez, est-ce que vous avez accompagné, vous avez essayé de parler, vous avez tendu voilà, le micro, est-ce que tout ça a servi à quoi? Je parle en tant qu'hold-up et en tant que moi. La loi a ses limites. Je pense que l'évolution de la représentation, effectivement, moi je suis de 45, je suis de cette génération-là, ça n'a pas été seulement par des lois, ça a été des mouvements, ça a été... hier, quand même, la ministre a dit, à la fin, qu'aujourd'hui, il y avait un contre-salon des vieux. Il y a quand même un mouvement, en ce moment, dans notre société, dont nous sommes porteurs, actifs. Nous, on est aussi... On va en Europe, on est impliqués en Europe, on va à l'ONU, hold-up tout petit, on essaye de faire entendre nos voix. Les lois, oui, mais c'est pas seulement la loi, c'est l'évolution de la représentation de qui nous sommes et de ce que nous pouvons apporter. Et avec, il faut qu'on affirme et qu'on entende qu'on n'est pas des jeunes actifs, on est des vieux et on peut apporter autre chose. En vieillissant, on est plus lent, on est plus sensible à la beauté, on peut apporter autre chose et c'est précieux. La spiritualité à Hold Up, ça touche beaucoup. De plus en plus, il y a des gens qui se posent la question de la spiritualité et c'est important dans le monde d'aujourd'hui, avec cette tendance à être tellement happé par tout ce qui est matériel, par la consommation. Donc on apporte aussi des questions différentes comme nous pouvons. Et je trouve qu'un des gros problèmes qu'on a, et ça c'est peut-être le message, c'est quand je dis, j'ai eu un député comme vous qui m'a répondu, me disant, vous êtes gentil, vous voulez qu'il y ait des députés, des vieux qui soient partout dans nos instances. Mais combien sont capables de parler? Combien sont capables de dire, de parler en tant que vieux, eux, et en tant que vieux, un peu représentant des vieux? Très pelouse. Donc c'est pour ça que nous, on est toujours minuscule, mais on a des groupes de parole, tout ce qui est groupe, où les gens... On a une dame qui nous a dit, elle est venue pendant 2 ans dans un groupe, il lui a fallu 2 ans, elle a dit, quand je suis arrivée, j'avais honte d'être vieille, maintenant j'en suis fière. Il faut qu'on soit fiers d'être vieux. Si on continue à se mettre nous-mêmes en position de je ne sais pas, je ne peux pas, et y compris en assumant nos différences, nos handicaps, moi je suis en train de devenir sourde, c'est pas facile, mais ok, allons-y, et puis soit je demande aux gens de parler plus haut, soit je vais m'équiper. Mais voyez, c'est tout ça. Il faut qu'on ose être dans les débats publics et dans les débats privés. Et c'est ça, Hold Up. Et avant de redonner la parole à Pierre, est-ce que vous êtes sorti, je pose la question de façon neutre, optimiste ou pas de la réunion d'hier avec la ministre? Est-ce que vous y croyez ou pas? Parce que de l'extérieur, on est tous à dire, bon ben, voilà. Écoutez. J'ai vu que votre co-rapporteur était très critique, Yann Lanier. Oui, ben moi je suis d'un naturel optimiste. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette réunion hier, peut-être 3 points. 1, l'interministériel. L'interministériel était assez extraordinaire. Il y avait vraiment tous les ministères, sauf la culture, qui étaient là. Les finances, justement, je suis d'accord avec Jérôme, ça va comme ça. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans finances et le CNAV et Hold Up aussi le prouvent. On pourrait, parce qu'il y a un gâchis incroyable de toutes nos énergies qui sont disponibles. Nous, on est tous ici des gens pensionnés, on touche des pensions, on a du temps, on est libre, on peut dire ce qu'on veut, on n'a plus de patron au-dessus de notre tête, donc allons-y, quoi. Oui, donc le côté interministériel vous paraissait positif. Alors, très positif, d'autant que ces ministres ou pas représentants qui étaient là, j'avais l'impression que certains, ils étaient heureux de sortir enfin de leur coin. Un bon point. Alors, le deuxième point qui est plus contestable, c'est la détermination de la ministre. Elle est jeune. Je suis naïve sûrement, mais elle annonçait des choses. Elle a envie et elle a envie de l'inscrire dans le temps. Mais c'est vrai que le temps, il est déjà pas mal. Donc ça, c'était bien. Et la troisième chose, c'est que quand les questions que vous avez évoquées et que nous évoquons, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que
Hold-up essaye aussi de témoigner. On a été 24 heures en EHPAD pour faire évoluer ce qui se passe dans les EHPAD. Là, on a encore un groupe de dirigeants d'EHPAD qui nous demandent d'aller. On va aller dans des EHPAD. Et on travaille quand on y va. Hein. C'est vraiment pour observer, c'est autour des repas, pour aider ce groupe à s'améliorer, à améliorer les repas, les relations. Donc on est militants. Je voulais vous montrer ça. On fait des enquêtes parce que c'est important pour nous. On essaye d'être entendus. Ça, c'est quel cadre de vie pour nos vieux jours. On a fait une enquête. Alors c'est les vieux qui posent les questions et c'est les vieux qui répondent. C'était à partir de 62 ans pour se faire entendre. Ouais. Eh bien, on va voir. Merci beaucoup, Martine. Je laisse... Pardon. Ma réaction sur hier... non, mais je ne veux pas polémiquer, mais c'est une très grande déception. Parce que je vais vous parler franchement, il y a des militants de l'âge sur à peu près tous les bancs à l'Assemblée nationale. Il y a des députés Renaissance qui sont eux aussi absolument convaincus qu'il faut aller plus vite, plus loin sur ce sujet, et ils sont extrêmement frustrés. C'est eux qui ont proposé, vous allez en entendre parler la semaine prochaine, cette petite proposition de loi sur le bien vieillir qui va continuer à être examinée la semaine prochaine, mais dans laquelle, franchement, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est des choses qui vont dans la bonne direction, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le changement de braquet nécessaire. Moi aussi, j'étais content hier de voir les différents ministres, mais la réalité de ce qui s'est passé hier... C'est que Aurore Berger a demandé à chacun de ses collègues, bon, toi, dans ce que tu fais, qu'est-ce qui peut concerner les vieux? Voilà. Et donc, ils ont fait un catalogue où ils ont recyclé des annonces et des mesures qui existent déjà. Il n'y a pas le changement d'approche que j'appelle de mes voeux et qui est absolument indispensable. Pour que vous compreniez, parce que tout ça peut apparaître un peu théorique, je vais illustrer par un exemple. Pour vous compreniez, c'est quoi le changement de braquet qui est nécessaire dans la société? À partir d'un fait précis. Depuis des années, chaque année, il y a environ 9 à 10 000 personnes âgées qui meurent du fait de chutes. Face à la chute des personnes âgées, il y a deux attitudes possibles. De dire, c'est une fatalité. Les vieux, ça tombe et ça meurt. Voilà. Non, mais c'est un peu la petite musique, y compris parfois dans le système de santé, etc., et même dans tout. Voilà. Et je vais vous faire une comparaison. L'année de ma naissance, en 72 donc, il y avait 16 000 morts sur les routes du fait des accidents de voiture. Alors que la population française, à l'époque, c'était 50 millions d'habitants. Voilà. À un moment donné, la société dans son ensemble a estimé que c'était insupportable qu'il y ait des générations entières qui soient fauchées sur les routes. Et donc, tout le monde a fait des efforts. Les constructeurs automobiles, ils ont amélioré le matériel des voitures, etc. La police, elle a sanctionné les chauffards. On a fait le permis à points. On a fait les flashs, etc. Les conseils départementaux et les concessionnaires autoroutes, ils ont mis des glissières de sécurité. Bon, bref, il y a eu une politique publique volontariste qui, en 25 ans, a divisé par 5 le nombre de gens qui sont morts sur les routes. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on a dit « c'est pas une fatalité ». On a mieux formé les gens, on a renforcé le permis de conduire, enfin, sur tous les domaines. Sur la chute des personnes âgées, il est où le changement de braquet? Qu'est-ce qu'on a demandé aux gens qui sont responsables de l'espace public, aux gens qui construisent des logements sociaux ou qui adaptent les logements, aux acteurs de la prévention sur l'activité physique adaptée. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et on dit, on accepte, et ça c'est le premier signal de l'agisme, quand on dit on ne peut pas faire autrement, ou on ne s'insurge pas d'une situation qui devrait être. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que ça, pour moi, ça illustre le changement de braquet. Moi, alors, je fais ma pub... vous pouvez le trouver sur mon site internet de député. J'ai publié ce que j'aimerais être la loi. Et alors, pour la petite histoire, je l'ai appelé « Garantir le droit à vieillir dans la dignité ». Pourquoi je l'ai appelé ainsi? Vous voyez à quoi je fais référence. C'est qu'au moment où le pays, et puis ça s'appelle « Garantir le droit à vieillir dans la dignité » et préparer la société au vieillissement de la population, c'est que je trouve qu'il y a un paradoxe à ce que on va avancer, je l'espère, sur la question de l'aide active à mourir, qui s'appelle parfois le droit à mourir dans la dignité. Et pour que vous compreniez, je suis favorable à une avancée législative sur ce sujet. Mais je trouve un peu détestable et un peu bizarre qu'on avance significativement dans quelques mois sur ce droit sur l'aide active à mourir. Peut-être. Peut-être, parce que là aussi, c'est repoussé de 3 mois en 3 mois par le président de la République. Mais que dans le même temps, on ne soit pas capable de légiférer, et au-delà de légiférer, de dégager le...
enfin de poser le débat sur la question de vieillir dans la dignité. Parce qu'aujourd'hui, on se prépare une crise du vieillissement. Et parce que c'est vrai que j'ai pu avoir un discours positif sur une partie, mais à l'âge des fragilités, les questions d'isolement des personnes âgées, les questions d'invisibilisation, les questions d'agisme, y compris dans le système de santé, qui, y a une étude, je parle sous le couvert d'Éric Favreau, qui dit que passer elle a été publiée cette semaine, passer une nuit aux urgences sur un brancard accroît de 40% le risque de morbidité. Mortalité. De mortalité, pardon, de mortalité. Or, on sait qu'aujourd'hui, chez les personnes de plus de 65 ans, c'est malheureusement souvent la situation parce que le système de santé n'intègre pas les conditions. C'est en gros soit les urgences, soit rien. Il n'y a pas de filière dédiée. Dans les EHPAD, il n'y a pas de personnel la nuit. Bon, bref, voilà. Jérôme. Voilà, vous avez compris, il y a plein de choses. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez regarder. Et alors, moi, je termine parce que je pense que c'est ma dernière prise de parole. Non, on se connaît. Non, mais pour faire allez, passer le message. Dernière. Sur l'histoire du lobby vieux, moi, je vais vous dire trois trucs. Je vous ai suggéré l'histoire de la grève. Il y a l'histoire de la mobilisation sous forme de pétition. Et puis, alors, il y a un autre truc. Je dis pas que je le préconise, mais pour, c'est un effet contraire. Dans certains pays, il y a des partis politiques de vieux. Pourquoi ils s'étaient créés ces partis politiques de vieux historiquement? C'était pour défendre des systèmes de retraite qui étaient menacés. C'est quand dans un pays, il y avait des gens qui voulaient réformer considérablement le système de retraite, là, les vieux se disaient, on se met ensemble et on fait un truc. C'est pas ça que je vous suggère. Mais un des problèmes, c'est que les partis politiques, qui sont assez subclaquants, quels qu'ils soient dans le pays aujourd'hui, eux-mêmes n'ont pas intégré cette problématique. Et que, je vais vous dire, le meilleur moyen de faire un lobby vieux, ça va paraître bizarre, ou faire de la pub, c'est d'investir chacune des formations politiques, quelles qu'elles soient. Vous pouvez être de droite, de gauche, du centre, et à un moment de dire, nous on veut que vous mettiez ce sujet en haut de la pile. Et si vous ne le faites pas, alors peut-être qu'on fera notre mouvement transpartisan pour dire, nous on veut que la transition... Un peu comme, vous savez, les écolos, ils sont nés de ça. Les écolos, ils sont nés, il faut que la transition... énergétique et climatique, elle soit dans la priorité des agendas. Ils ont réussi, les écolos. Tous les partis, maintenant, reprennent le sujet. Et peut-être qu'il faut faire un parti qui s'appelle les vieux. Voilà. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Pierre, on va donner la parole un peu à la salle, voilà, pour débattre. Moi, voilà. Tout est... Allez. Ah ben d'accord. Alors, moi, j'ai une proposition pour le législateur. Vous ne vous souvenez sans doute pas, bien sûr, mais il y a 10 ans, on s'est rencontrés à l'Académie de médecine. Vous m'avez dédicacé votre livre et je vous avais expliqué, alors, pour le docteur Fully, mon plaidoyer pour les vieux, pour tous les militants de solidarité, etc. C'était très gentil. Et je vous avais dit à l'époque que ce qui aurait été essentiel, c'est une loi de moralisation et de modernisation de l'ordre des médecins pour arrêter le gâchis, notamment des empoisonnements. Moi, j'ai porté plainte, ça ne donnera rien, mais pour empoisonnement de ma mère, qui s'est retrouvée qu'il y avait un traitement antihypertenseur dont elle n'avait pas besoin, un traitement anticardiaque, là, j'étais vraiment stupéfaite. En faisant vérifier par un cardiologue, elle n'était pas cardiaque, il y a 10 ans qu'elle a des traitements. On lui a mis des antidépresseurs et des anxiolytiques au long cours parce qu'elle n'était pas contente d'avoir été mise dans un EHPAD qui était un mouroir infâme contre sa volonté alors qu'elle n'était pas sous tutelle. Donc, moi, ce que je vous demande, comme je vous l'ai demandé il y a 10 ans, c'est que il y a 10 ans, j'étais la petite lanceuse d'alerte qui en prend plein la figure et qui s'appauvrit beaucoup parce qu'elle a osé porter plainte contre la présidente du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris, qui avait décidé que je ne pourrais plus m'inscrire que je ne pourrais plus travailler en Ile-de-France si je décidais de quitter le bénévolat après avoir élevé mes enfants, en prévenant mon mari, comme ça se fait en Arabie Saoudite. Ils avaient téléphoné au professeur Le Maire pour lui dire elle c'est bon. Donc, mais aujourd'hui, ce n'est pas le petit docteur Ivana Fully, qui est né à Rome. Et qui a votre question, alors, madame. Ma question, je lui ai dit, je lui demande faire une loi pour réformer le Conseil de l'Ordre des médecins. On pour est un que... peu loin du sujet, mais bon. Mais non, on n'est pas du tout, vous n'y comprenez rien. Non, mais moi, j'ai parfaitement compris. Il y a un lobby pharmaceutique, soit vous êtes vendu au lobby pharmaceutique. La surmédication des personnes âgées. Non, je vous parle de la réforme. Il faut légiférer.
Bon, je peux vous montrer sur mon téléphone et après je ne parle plus de la journée. J'ai le président du conseil départemental du 92 qui a osé m'écrire « Madame et chers consoeurs, je ne peux rien faire contre le médecin coordinateur de l'EHPAD de votre mère parce que votre maman me dit « Le médecin de la maison où je suis, elle n'est pas capable de me donner le nom et le prénom et elle a 98 ans, d'accord, mais elle doit rédiger elle-même toute la plainte. C'est une honte. » Merci, madame. Bonjour à tous. Je voudrais remercier Anne-Marie Guillemard. Je suis un peu spécialiste de ces questions. Un peu beaucoup. Collez bien le micro à vos lèvres si c'est possible. Bon, voilà. D'accord. Un moment, mon temps. Je voudrais remercier vraiment Jérôme Guège parce qu'il a situé magnifiquement le problème. Et pas les autres, vous ne remerciez pas les autres. Je voudrais. Parce que je pense que ce qu'il nous a dit est très important dans la mesure où nous devons penser la transition démographique. Et c'est un problème totalement négligé dans notre pays, alors que c'est aussi majeur que la transition écologique. Dans ces conditions, nous avons besoin d'une loi d'orientation ou de programmation, si vous voulez, qui pose le problème dans son ensemble et pas seulement sur la question du grand âge. Parce que l'allongement de la vie, ce n'est pas seulement plus de vieux. L'allongement de la vie, c'est tout un nouveau parcours de vie qui dure 100 ans et du coup, il y a une distribution des activités sur tout le parcours profondément modifié. Donc ça veut dire que l'allongement de la vie, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que les jeunes retraités, les seniors ont des nouvelles ressources, mais c'est quelque chose dans notre pays totalement ignoré. C'est-à-dire qu'il y a deux choses avec l'allongement de la vie. C'est d'une part, effectivement, plus de vieux, mais ce n'est pas seulement ça. C'est des seniors avec de nouvelles ressources qu'il faut optimiser. Or, ça, on n'en parle pas. Et c'est pour ça qu'il faut se battre sur ces deux fronts, il me semble. Et il me semble, pour dire... Il y a des gens de plus de 60 ans quand ce sera un tiers, c'est bientôt un tiers de la population française qui a plus de 60 ans. À ce moment-là, il y a toutes sortes de ressources nouvelles, de compétences nouvelles qu'il faut utiliser au bénéfice tant des individus que de la société. Donc il y a ces deux problèmes. Il ne faut pas se focaliser seulement sur le grand âge. Je crois qu'il faut exiger une loi de programmation qui s'attaque à la transition démographique. C'est ça le vrai problème. Et sinon, nous allons dans le mur. Parce que le vieillissement, c'est beaucoup d'argent, c'est un coût. Et c'est pour ça que nous sommes freinés constamment et que nous ne progressons pas particulièrement en France. C'est-à-dire qu'on dit, bon, c'est un coût, c'est 9 milliards, comme l'avait chiffré le rapport de Libo. 2018, le rapport Libo. Donc, évidemment, ça fait reculer tout le monde. Mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est comment on profite, la société peut bénéficier des nouvelles ressources que nous apporte la vie plus longue, en même temps que, effectivement, de couvrir... les nouvelles dépenses. Mais si on ne fait pas ce deal, à ce moment-là, le vieillissement est sans solution. Merci beaucoup, madame. Merci. Hein. Oui. Monsieur. Oui. Alors, monsieur Guège, c'est ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez eu une phase où vous étiez ce qu'on appelle un frondeur. Oui. Et donc, cette phase-là vous a conduit, à un moment donné, à être un peu ignoré. Oui. Et... Vous êtes revenu... Mettez bien le micro, on n'entend pas. Voilà. Et vous êtes revenu... Sur vos lèvres, sur le remonte. Voilà. Je dis, vous avez fait partie des frondeurs et vous avez connu la solitude à un moment donné. Vous étiez moins au soleil. Et ça vous a rendu très sympathique. Et j'avoue que la cause que vous défendez avec beaucoup de brio sur le vieillissement est une cause non seulement généreuse, mais qui est une cause juste.
et peut-être pourriez-vous être justement ce leader dont vous parlez. Vous avez dit quelque chose de très intéressant concernant les chutes. Vous savez que lorsqu'on a la chance de vivre en province et venir de temps en temps à Paris, la chose dont on se soucie le plus dans la rue, c'est les bicyclettes et les trottinettes. La bicyclette, c'est bien simple. C'est devenu un stalinisme total à Paris. Ils sont prioritaires sur tout. Désagréables comme pas un. Et justement, vous qui avez de l'influence, vous devriez, au même titre qu'on a supprimé les trottinettes à Paris, faire en sorte, pas de légiférer, parce que tout ça c'est quand même un peu vain, sur les bicyclettes. Voilà. Et sur ce point, je vous fais une suggestion. Un cycliste est soumis au code de la route. Donc le jour où la police décidera de sanctionner et de faire flipper tout le monde qui brûle les feux rouges ou roule sur les trottoirs, de la même manière que les gens ont pu brûler les feux rouges et faire des excès de vitesse sur, avec leur bagnole. Voilà, donc là, le seul sujet, c'est il faut, alors peut-être, je suis d'accord avec vous, voilà. Et ce n'est pas que pour des sujets de vieillissement, c'est juste pour des sujets de civilité et de courtoisie et d'urbanité, serais-je tenté de dire, entre les uns et les autres. Et il y a un truc qui est terrible, je vais vous dire, chacun va battre la coulpe. Moi-même, quand je monte sur un vélo, je me rends compte que je deviens très con parfois. Oui. Non, mais voilà, c'est un truc très bizarre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le vélo, on est agacé. Et quand on est dessus, il y a une sorte, il y a une sorte de frénésie, d'euphorie. Voilà. Et je pense que le jour où je me prendrai une amende à 135 euros, ben, je redeviendrai raisonnable. Voilà, donc. Oui. Simplement, il y a une volupté, effectivement, du cycliste. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que si on ne fait pas quelque chose pour ça, il y aura effectivement des morts. Soyons un petit peu dans la nuance sur les cyclistes. Hein. Voilà, parce que bon, comme on peut l'être sur les vieux, c'est comme un des privilèges de l'âge de pas. Monsieur Je me présente, je m'appelle Jean Mariani, je suis professeur de sciences du vieillissement, qu'on appelle maintenant les gérosciences, à Sorbonne Université et à la Pitié-Salpêtrière Charlefoix. Je suis très content d'être ici. Je suis aussi un des cofondateurs du Gérontopôle d'Île-de-France. Nous avons eu le plaisir d'avoir Laure Adler il y a quelques jours que nous avons invité pour parler de l'agisme. Mais je voudrais me limiter à un seul propos. Il faut être très ambitieux. Et l'ambition que nous devons avoir sur un problème qui est multithématique, qui est celui de l'avancée en âge, il y en a au moins un très ambitieux. Il faut supprimer la dépendance. Facile à dire, difficile à faire. Mais pour supprimer la dépendance, il faut s'en occuper avant la dépendance, c'est-à-dire pendant la phase au moins de fragilité. Et donc, il faut développer la recherche en biologie du vieillissement et dans les maladies liées à l'âge, mais d'une manière qui marche sur deux piliers. Un, évidemment, la recherche fondamentale, mais aussi la recherche dite translationnelle, c'est-à-dire la recherche de nouveaux médicaments pour ces pathologies. Et deuxièmement, au moins aussi important, faire des diagnostics le plus précoce possible. Il y a un exemple, c'est la maladie d'Alzheimer. Vous avez vu qu'il y a eu un frémissement thérapeutique, si j'ose dire, avec beaucoup de contestations. Mais les nouveaux produits qui sont présentés actuellement ne marchent que sur les formes prodromiques, c'est-à-dire sur les stades très précoces. Et je terminerai mon propos en disant que s'il y a un lobby, c'est le lobby qui doit pousser cette chose. Il faut couper, pour reprendre la parabole de M. Gage, il faut couper l'arbre de la dépendance pour bien voir la forêt du vieillissement. Et voilà un des lobbies qui peut être, sans être un lobby très général, parce que la dépendance, c'est quand même un des problèmes majeurs. Je pense qu'il va toucher plus de 20% des gens dans les années qui viennent. Et donc, il faut absolument se fixer un but aussi ambitieux et les moyens qui vont avec. Et le plan anti-chute qui est paru quelques mois, ou la loi du bien vieillir qui sera en discussion le 20 novembre, sont plutôt dans cette idée générale de compenser les handicaps et jamais de les prévenir. Et c'est fondamental qu'il y ait un effort puissant de recherche et de développement sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes voulaient... Voilà, madame. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à monsieur... Ma question s'adresse à monsieur Gage. Je vous ai entendu déplorer, avec juste raison, que la loi grand âge ne soit reculée, repoussée d'année en année. Mais je vous ferai observer que vous êtes législateur et que qu'est-ce qui vous empêche, avec quelques-uns de vos collègues, de déposer une proposition de loi ?
Alors, je vais pas vous expliquer ce qu'est la Ve République, madame, mais contrairement à ce qu'on pense, les législateurs ne font pas la loi en France. Voilà, il n'y a pas besoin d'invoquer le 49.3. Donc, pour répondre à votre question, moi, justement, pour faire ça, non, mais je vous assure, j'ai déposé ma proposition de loi, elle fait 166 articles. Pour qu'une proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui décide d'inscrire les propositions de loi. Vous avez une fenêtre parlementaire. Alors, non, mais je vais vous répondre. Ça s'appelle une niche parlementaire. Voilà. Donc, une niche parlementaire, c'est une journée par an de 9h à 20h. Et sur une journée, on ne peut, de 9h à minuit, on ne peut pas examiner un texte de 166 articles. C'est matériellement impossible. Et donc, ça ne servirait à rien que je convainque mes collègues du groupe socialiste de dire... On dépose que mon texte. De toute façon, on n'irait pas au terme de l'examen. C'est pour ça que dans les niches parlementaires, les lois, en général, c'est des lois de un article ou deux articles. Voilà. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est du lobbying. J'ai écrit ce texte juste pour faire la démonstration que c'est possible d'écrire un texte. J'ai passé le temps, juridiquement, à transformer les propositions qui figuraient dans le rapport Libault, dans le rapport Broussy, dans le rapport El Khomri, dans le rapport que j'avais fait sur l'isolement, etc., pour dire on peut le faire. Et puis surtout, la démonstration que je voulais faire, parce que c'est le sujet qu'il ne faut pas éluder parce qu'il vous concerne. Pour financer une loi grand âge, il faut aller chercher les fameux, Anne-Marie Guerre le mentionnait, les 9 à 10 milliards. Alors ça fait peur, 9 à 10 milliards d'euros. C'est donc un choix de société. Je vous dis ce qui nous pend au nez à tous. Parce que pour l'instant, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas soumettre le débat. De dire où on va chercher ces prélèvements. Est-ce qu'on augmente des cotisations sociales? Est-ce qu'on augmente la CSG? Est-ce qu'on fait une taxation sur les droits de succession? Est-ce qu'on rajoute un jour férié pour, etc. Donc il y a plein d'idées possibles. Mais toutes, c'est augmenter des prélèvements obligatoires. On ne sait pas faire autrement. Vous savez, sur ce sujet, même la Cour des comptes, ce n'est pas un repère de gauchistes, la Cour des comptes. D'habitude, ils sont pour dire qu'il faut faire des économies. Sur ce sujet, c'est un des rares sujets où la Cour des comptes dit qu'il faut augmenter la dépense publique. Pourquoi je vous dis, et je termine par là, qu'il y a un sujet qui vous pend au nez et qui, pour moi, est problématique? C'est la petite tentation que je vois ici ou là de dire pour financer la dépendance, l'amélioration dans les EHPAD, etc., on ne va pas mettre à contribution l'ensemble de la société, mais on va mettre à contribution uniquement les retraités. Et ça, pour moi, c'est problématique, parce que je suis attaché à la logique de la sécurité sociale, qui est que c'est la solidarité des biens portants pour les malades, des actifs pour les inactifs, et ce n'est pas les retraités qui cotisent pour les dépendants. Donc faites gaffe à ça, parce que ça, c'est un débat... Je le sens venir dans les semaines qui viennent, qui est de dire ces salauds de retraités, si j'ose dire, qui ont été les baby-boomers pour lesquels tout va bien, qui sont propriétaires à 75% de leur logement et qui donc ont un niveau de vie supérieur à celui des actifs. On va les mettre, eux, en premier à contribution pour financer le risque dépendance et pas le reste de la société. Si on fait ça, alors on entérine ce qu'il faut absolument éviter dans une société qui est assez fracturée. Il y a des guerres de religion, il y a des guerres de classe, n'y ajoutons pas une guerre des âges dans le pays. Et c'est pour ça qu'il faut garder ce qui est le beau principe au cœur du pacte républicain, qui est celui de l'universalité des droits, à chacun selon ses besoins, ses moyens. Merci Jérôme. Avant de vous redonner la parole, je donne la parole à ma voisine qui voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire qu'effectivement, une loi, c'est extrêmement important. Et on a bien raison d'en parler et d'essayer d'avancer là-dessus. Ceci dit, très souvent, la loi vient après un mouvement de société. Et par conséquent, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que les personnes âgées, précisément, souvent acceptent le sort, acceptent les discriminations dont elles sont victimes et elles ne râlent pas. Par exemple, quand on refuse à une personne âgée un prêt au motif de son âge ou un logement, eh bien, très souvent, elle enregistre ce refus ou cette avanie, mais elle ne fait pas de recours. Et alors qu'aujourd'hui, on devrait dire aux banques, c'est scandaleux, quelqu'un qui est retraité, par exemple, justement, il a des revenus extrêmement solides qui vont tomber tout le temps. Et par conséquent, on ne prend pas de risque, en fait, à lui faire un prêt. Mais malheureusement, les banques, très souvent, elles estiment qu'elles ne peuvent pas. Ou alors, les personnes qui ont une curatelle, même, sont totalement dépossédés du droit d'examiner leurs documents. Par conséquent, des journées comme aujourd'hui et le travail qui est fait par une association, fait comme ici, par ce contre-salon, je crois que c'est ça qui est important, parce qu'il faut arriver à ce que dans l'opinion, on se rende compte de ce qui n'est pas normal, de ce qui contre quoi il faut se battre. Par ailleurs, je voulais aussi ajouter qu'il y a quelques catégories
de personnes âgées qui sont encore plus oubliées ou en difficulté. Par exemple, nous avons donc travaillé sur les EHPAD, mais actuellement, nous, on travaille sur les détenus âgés. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement triste, parce que c'est triste aussi parce que c'est une catégorie qui intéresse personne. Très souvent, quand vous regardez ce qu'on dit dans la presse, on dit toujours que la justice est laxiste et que les gens, quand ils sont condamnés, ne font pas leur peine. Alors que la réalité est que c'est absolument faux. On a de plus en plus de personnes qui sont détenues jusqu'à un âge avancé dans nos prisons. Et malheureusement, rien n'est prévu pour les personnes âgées. En fait, peu de choses sont prévues. Et par exemple, les gardiens eux-mêmes, les surveillants pénitentiaires, ils sont formés à se confronter à des jeunes vigoureux et insupportables. Ils ne sont pas formés à s'occuper de personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui ont près de 80 ans. Et pratiquement, là je vais demain à Toul voir visiter un établissement, mais très très souvent, même des choses très simples, hein, la hauteur des interrupteurs, l'accès aux douches, beaucoup de choses font que la vie d'un détenu âgé fait souvent qu'il est considéré, on est considéré comme étant l'objet d'une maltraitance ou de traitement inhumain ou dégradant. Quand vous avez quelqu'un qui ne peut pas se déplacer pour aller tout seul aux toilettes, il y a un problème. Et là-dessus, malheureusement, ça fait partie de ces catégories de la société auxquelles, justement, on ne s'intéresse pas beaucoup. Donc je sens qu'aujourd'hui, il faut qu'on se batte à la fois pour pouvoir faire comprendre les vieux. Enfin, les vieux sont aujourd'hui un nombre très important, un pourcentage important de la population. Donc, en nombre, ils ont la possibilité de se faire entendre. Le problème, c'est qu'ils se disent que les sujets qu'ils ont à poser sont des sujets importants pour la société et que par conséquent, on ose dire les choses qu'il faut faire pour pouvoir avoir une société qui soit inclusive du début à la fin. Voilà. Je crois qu'il y a une... Non ? Quelqu'un ? Non, mais il y avait... Alors peut-être qu'on va donner la parole un instant à Pierre qui voulait... Parce qu'il devait y avoir un directeur d'EHPAD qui était présent et qui n'a pas pu l'être pour des raisons familiales. Et je crois qu'il avait deux, trois choses à dire. Oui, donc je me fais le porte-parole de Mathieu Schell, qui est un directeur d'EHPAD qui a une longue expérience. Donc comme il n'a pas pu venir... Il m'a envoyé un long message, donc j'ai retiré ce qui m'a semblé être les principaux points qu'il aurait aimé soutenir devant vous. Le premier point sur lequel il a mis l'accent, et c'est ce qu'il appelle l'absence de lieu d'écoute des seniors. Pour lui, il n'y a pas d'équivalent pour les seniors au Conseil consultatif des personnes handicapées qui a été créé en 1975. Et qui a pour objet, ce conseil, la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques du handicap. Pour lui, il faudrait qu'il y ait quelque chose d'équivalent pour les seniors. Je le cite, la société doit écouter pour s'adapter. Le deuxième point est que les plans de financement de la sécurité sociale ne repose pas sur une véritable connaissance globale des besoins des personnes âgées. Ils égrènent ce qu'il a appelé des mesures pansement pour un système qui est à bout de souffle en laissant au directeur d'établissement l'essentiel des arbitrages à faire en fonction des budgets dont il dispose. Le troisième point, c'est que selon lui... Jérôme, bouchez-vous les oreilles. Les acteurs politiques sont dans une méconnaissance totale des questions du vieillissement et aussi des EHPAD. Par exemple, le prix moyen de séjour en France dans une EHPAD est de 66,80 euros, ce qui fait à peu près 2000 euros par mois. Or, plus de la moitié des EHPAD sont aujourd'hui en déficit. Il y a deux sources de financement, les agences régionales de santé et de l'argent qui vient des départements. Il s'agit donc pour les directeurs, donc ce qu'il a dit tout à l'heure, de faire des arbitrages la plupart du temps impossibles, mais que ces arbitrages impossibles expliquent une grande partie des dysfonctionnements qui ont été observés.
Quatrième point, il considère que les missions des EHPAD sont floues. Elles ont dans la société une image générale assez négative qui est nourrie de dysfonctionnements réels, mais aussi de l'inaction des politiques, et que la politique générale, que donc une politique générale du vieillissement est à repenser. Et là, il y a un grand point, je ne vais pas donner tous les détails, il en a déjà été question, mais par exemple, c'était la remarque de madame tout à l'heure, c'est la question de la surmédicalisation. Pour lui, dans un EHPAD, quand on ne sait pas traiter un problème, on le médicalise. Et les personnels qui travaillent dans les EHPAD ont essentiellement des formations sanitaires. Il n'y a pas de formation, de valorisation de tout ce qui est le travail d'accompagnement. Ils sont dans les budgets ou pour les autorités, ce travail d'accompagnement est considéré comme un temps mort. Et pour terminer, mon cher... Voilà, bon, il y avait des choses encore sur le manque d'ambition dans l'architectural, réforme de la tarification. Merci beaucoup. Et un certain nombre de propositions. Juste là, comme on arrive grosso modo à la fin, peut-être une dernière question ou une dernière intervention dans la salle. J'aurais une question à poser à monsieur le député. Demain se poursuit à l'Assemblée nationale l'examen de la proposition de loi de la majorité pour bâtir justement la société du bien vieillir. Comment vous appréhendez ces débats et est-ce que vous pensez que ça va déboucher sur une véritable politique nationale du grand âge? Alors je vous réponds à sa place, il l'appréhende très mal, il ne va rien se passer. Grosso modo, juste une brève, non, si non, je vais dire d'un mot, voilà. C'est quelques articles sympathiques, c'est compliqué de s'y opposer. Parce que sinon, par exemple, un des articles, vous allez comprendre, c'est créer une carte professionnelle pour les services d'aide à domicile. On a vu pendant le confinement que les aides à domicile, elles n'avaient pas une carte pour pouvoir stationner, pour pouvoir aller dans les pharmacies chercher les médicaments, pour justifier de leur statut. Donc ça va dans le bon sens. Voilà. Mais il ne faut pas me faire croire que c'est ça qui va révolutionner l'exercice du métier. Donc moi, ce que j'ai dit à Aurore Berger, c'est peut-être pour ça qu'avec d'autres, dit, s'il n'y a pas l'engagement de la loi de programmation grand âge, alors on votera contre ce texte. Et on avait voté au début de la lecture en avril un amendement à l'unanimité, il s'avère que c'est le mien qui a été adopté, pour dire on veut une loi de programmation grand âge. Mais je me méfie des promesses, parce qu'elle l'a annoncé hier dans une interview, et donc je vais lui demander qu'elle l'inscrive dans la loi. C'est-à-dire, c'est un truc dingue, on fait inscrire dans la loi une date pour dire on veut qu'en juin 2024, vous nous soumettiez une loi. Voilà. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, Macron, il avait dit publiquement... Il y aura une loi. Elle n'a pas eu lieu et personne n'est venu manifester devant l'Elysée pour dire que tu avais promis la loi. Donc chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. Et l'eau est très froide. Oui. Jérôme, merci infiniment. Peut-être un mot de clôture de la part de Véronique sur une loi, pas de loi. Alors Eric me dit, mais qu'est-ce que pense le CNAV de tout ça? Alors le CNAV, peut-être que nous avons été cofondateurs à quelques-uns, mais le CNAV, c'est vous aujourd'hui. Et donc, je vous invite à venir à la séance plénière de demain. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a vu qu'on pouvait se mobiliser et que nous avions des choses à dire? Et pour éventuellement un peu pousser ma camarade Martine Gruer de Hold Up, je dirais oui, c'est le moment de créer un lobby. C'est vraiment le moment de montrer qu'on est nombreux à penser qu'il faut repenser la vieillesse pour réussir notre vieillesse, comme nous y incitait hier Annie Ernaux. Alors, je ne suis pas sûre que ça passe par une loi tout de suite, mon cher Jérôme, parce que nous avons un train de retard sur toi et sur vous en général, c'est-à-dire je ne sais pas exactement si la loi que l'on nous propose aujourd'hui, ni la loi sur le bien vieillir d'Aurore Berger, ni la loi de Jérôme Guedj, de 136 articles, répond exactement à ce que souhaite le CNAV. Et c'est ça dont je voudrais qu'on discute. Et par exemple, pour te contredire un peu et peut-être être un peu provocatrice, je ne pense pas que ce soit si idiot de faire payer la dépendance en partie par les gens qui ont la chance de pouvoir vieillir. Parce que tout le monde n'a pas la chance de vieillir et que probablement les gens qui atteignent 70 ans
ont plus de chances d'atteindre 90 ans que d'autres. Et peut-être qu'ils sont effectivement un peu plus nantis aujourd'hui. Et pourquoi on ne pourrait pas réfléchir à quelque chose? Pas tous, je suis complètement d'accord. Pas tous, il n'est pas question. Il n'est pas question de dire que tout le monde pourrait. Mais en tout cas, on peut en discuter. Et ces discussions, elles n'ont pas été ouvertes chez nous encore. Et il me semble qu'il est temps de les ouvrir dans quelque chose qui serait un lobby des vieux. Eh bien, merci infiniment. Merci à nous tous, à vous tous. Et merci à vous quatre de ce débat passionnant.